Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. J'ai filmé ce make-up à l'instant. Ça m'a pris tellement de temps que le soleil a chassé la pluie. On est en après-midi. J'ai pas l'habitude de filmer l'après-midi. Mon cerveau est en compote. Ça arrive demain. Je sais pas ce que ça donne. Écoutez, si vous voulez savoir ce que j'ai mis, c'est dans la barre d'infos. Si vous voulez garder le suspense pour demain, vous pouvez. Si vous voulez essayer de deviner quelle palette j'ai utilisée, essayez-le dans la barre d'infos, dans la barre de commentaires, sans tricher. Ça serait marrant, tiens, ça. Bon, alors aujourd'hui, c'est la vidéo favorite à filmer dans le mois, c'est-à-dire le Project Pan. Et là, je dois vous dire que je dois complètement changer la donne avec mon Project Pan, peu importe quel qu'il soit. Parce que avec toutes les nouveautés make-up que je filme, j'ai pas eu le temps d'exploiter complètement mon Project Pan. Et je vais changer pour le mois de février la formule, c'est-à-dire que un Get Ready With Me sur deux sera fait avec juste les produits du Project Pan. Voilà, comme ça on va avoir plein d'idées et l'autre ce sera des nouveautés make-up. Peut-être ça va vous plaire, peut-être pas. Je me rappelle même plus quelle palette j'ai choisi pour le mois prochain. On va découvrir ça ensemble. Cette vidéo se passe en deux... comment dire? En deux parties. C'est-à-dire la première, je vous raconte un petit peu ce qui s'est passé avec ce mois-ci. Les produits que j'ai aimés, pas aimés, ceux que je garde pas, ceux qui sont pourris, ceux que j'aime... Voilà. Ceux que j'ai adoré. La deuxième partie, je vous présente la prochaine rotation. Dites-moi aussi comment ça s'est passé votre Project Pan ce mois-ci et quelles leçons vous en avez tirées, parce que c'est quelque chose que j'adore et j'adore vous lire et j'adore voir les photos sur notre groupe Facebook. Le lien est dans la barre d'infos. N'oubliez pas le mot de passe qui est dans la barre d'infos aussi. Sinon, vous ne pouvez pas rentrer. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti. Je commence par les deux meilleurs produits de ce mois-ci. Ce bronzer de Too Faced, le Sun Puppy Bronze. Une merveille. Too Faced, on peut tout leur dire, mais ils peuvent faire des produits teints merveilleux et ce bronzer est génial. Et mélangé avec ce bronzer, alors vous voyez à quel point il a aplati par rapport à au début du mois. J'ai bien travaillé ce bronzer crème et il est merveilleux. Alors je sais que chez NOS en Europe, vous pouvez le trouver pour peu cher maintenant parce qu'ils ont liquidé toute la marque et tout. Donc si jamais vous le cherchez, je sais que il y a des gens qui vont chez NOS. Alors je ne connais pas ce magasin, mais je me tiens au courant de ce que vous faites. Voilà. Ensuite, j'ai essayé cette palette de Colourpop. C'est un blush bien basique, il est très bien. Je ne vais pas le laisser partir, j'aime beaucoup le format. Le highlighter, est-ce que c'est le meilleur produit de tous les temps? Non. Est-ce qu'il est nul? Pas du tout. Donc il n'y a pas de raison pour qu'il sorte de ma collection. Ensuite, le Sol Body Platinum Highlighter. Je pense que je l'ai mis deux fois. Spoiler alert, hein, j'ai rien panné du tout ce mois-ci. Juste parce que j'ai essayé que des nouvelles choses. Donc le mois prochain, on s'y met. Hein. très très bel highlighter. Moi j'aime beaucoup ce Sol Body. Ils sont un peu pailletés, un peu... ils mettent beaucoup l'emphase sur la texture par contre, je préfère vous le dire. Truc cool, c'est que l'imprimé quand même est parti du dessus. Quand même, j'ai fait ça. Est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Ensuite, j'ai essayé ce highlighter blush qui s'appelle Parallèle. J'étais pas sûre de vouloir le garder. C'est clairement un blush pour moi. Et finalement, bah, je vais le garder parce que ça fait un blush luminance. Donc ça reste. Ça, c'est périmé. Les ultra mat, ultra satin de Colourpop, je sais qu'il sent pas bon. Il tiendra pas une autre rotation de toute façon et voilà, bon. Désolée. Ça, Back to MAC. J'ai réessayé, on l'avait essayé dans une vidéo, le Gilded Thrill. De MAC, ça ressemble à un Super Choc. Mais c'est pas pareil, c'est... Oh, oui. C'est un petit peu... c'est pas homogène, c'était pas luminant, c'était rien du tout sur ma paupière. Donc ça va être dans mon Back to MAC.
Le highlighter opale de Becca. Je me rappelle même pas l'avoir mis le mois dernier. Franchement, je crois que je l'ai mis une fois. Très triste, parce que c'est un de mes préférés de Becca. Ensuite, gloss. Celui-ci de Artist Couture est merveilleux. Il s'appelle, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'il existe encore. Comme l'amour. Le Freak. Ah, il se peut que nous soyons invités. J'essaye de me tasser, hein, mais je ne suis pas sûre combien de temps je vais pouvoir me décaler. Couper, décaler. Quelqu'un s'en rappelle de ça ou pas? Bref. Merveilleux gloss. Ça, je garde. En termes de lipsticks, ces deux-ci, je les ai essayés et ça a été des fails sur moi. C'est beaucoup trop clair. Du coup, je vais pas les garder. Surtout lui. Oh, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, c'était pas beau. Et j'ai essayé, genre, avec un crayon plus foncé et tout ça. C'était pas joli. Genre, quand il y a une base blanche sur des rouges à lèvres, ça, c'est le maximum clair que je peux aller, fluo, que je peux aller. Ça, c'est encore une teinte plus claire. Qu'est-ce que je porte là qui est check please. Donc non, ça non, ça reste pas. Ça je garde, c'était merveilleux. Et ça existe encore. Love Life, le lipstick, c'est un peu terracotta. Superbe, il existe encore et ça c'est cool. Et en ce qui concerne la palette de Morphe, je suis un petit peu restée sur ma faim, je dois vous dire. Alors je sais pas si c'est parce que depuis qu'elle est sortie, il est arrivé de meilleures choses. Ou si la texture a changé. Mais les mattes fonctionnent très bien. Mais j'ai trouvé que les irisés n'étaient pas au top of the game. Donc je pense que je la réessayerai. Je vais la mettre dans mon purgatoire et je vais la réessayer. Parce que c'est quand même une de mes palettes favorites de la marque. Et elle était dans mes favoris en 2019-20, quelque chose. Et j'ai pas envie de la laisser partir. J'ai l'impression que j'ai pas assez utilisé les choses. Mais vous voyez, quand je swatch, il n'y a plus grand chose qui sort. Oui, ça va. Bon, alors je vais l'essayer plus. Parce que ça me fait de la peine sinon. Mais les mattes, très bien. Les irisés, non. Bref, ça c'était le résumé. Passons à la nouvelle mouture. Et je les garde toujours dans une petite boîte fermée pendant un mois, vous savez. Ta-da-da. Alors, je commence par ce highlighter de Colourpop qui s'appelle Honeymoon. Et c'est un highlighter bleu pailleté, lavande. Oh, il n'y a pas de base blanche. Ça peut être très cool, ça. Ok. Un peu pailleté. Ça peut être sympa, ça peut être sympa. Ok. Je ne me rappelle plus de rien. Ensuite, de Morphe, le bronzer Trail Blazer. Je ne sais pas, c'est impossible à finir ces bronzers de Morphe. Ils sont énormissimes. J'adore cette qualité, j'adore leur glam à bronze. Ce sont une de mes formules de bronzer favorites. Il est foncé, hein. Ouh. Mais je sais que je les ai déjà mis, je les aime beaucoup, donc je suis très contente d'avoir ça. Ensuite, j'ai de Kiko, A Magical Holiday. Je l'ai pris pour, je pense, le blush crème qui est un peu rose comme ça. Pas pour le highlighter, il me semble. Non, parce que j'ai déjà un highlighter crème, ok. Donc ça, on va l'essayer. Bronzer crème, j'ai pris le MAC Delphic. Je sais que je l'avais déjà mis dans une rotation l'année dernière. Voici ce qui s'est passé. Pas grand chose. Donc on va lui redonner une nouvelle chance. Je l'aime bien, donc je vais continuer à l'utiliser. Un autre produit de Kiko. Surprise, surprise. C'est quoi déjà? C'est un blush corail. Qui sent divinement bon. Mat. C'est rare qu'on ait du Kiko sur cette chaîne. Puisque c'est difficile pour nous les attraper, hein, les Kiko. Il n'y en a pas ici. Ensuite, j'ai pris un highlighter poudre qui s'appelle Princessa de Colourpop et Becky G. Et c'est un Luster Dust, donc ça ressemble à ça. On dirait qu'il y a comme un espèce de sous-ton orangé dessus. Je sais que ça finira pas, hein. Je sais qu'on verra pas de changement, mais je sais que je l'aime bien aussi. Comme produit à lèvres, j'ai pris un gloss d'une marque inconnue, que je pense être MAC. Qui est comme orangé.
Bah non, mais il est périmé. Oh, bah, je vais le changer. Hein. Attendez. Huda Beauty. J'ai pris quoi? J'en avais déjà essayé un qui s'appelait Hypnotique. Et là, je vais prendre Bewitched. J'avais bien aimé Hypnotique. J'ai pris au pif. Ensuite, comme rouge à lèvres, j'ai pris un... Je ne sais pas quelle est la marque. Clarins. Pourquoi il y a un cheveu? Ouh, c'est un beau corail. Ouh, un corail glossy. Je pense que c'est Clarins. C'est quoi ça? Dites-le moi dans les commentaires. Un Maybelline qui s'appelle Clay Crush. Le nude. Je sais, je l'ai mis par-dessus mon highlighter. J'ai bientôt plus de batterie, les amis. Oh my god. J'ai pris ça. C'est un ultra matte lip. Est-ce que c'était une bonne idée? Très mauvaise idée. Je vais le changer. Ensuite, j'ai pris ce rouge à lèvres de KVD. J'ai pris un mono ici de MAC qui s'appelle Rose. Et la palette... Nous allons rendre hommage à Urban Decay avec cette palette qui est la Moon Dust, ma préférée de la marque. Donc on va utiliser beaucoup la palette du Project Pan annuel pour faire des looks avec, ce qui est cool, un combo. Je vais chercher un autre produit à lèvres. Attendez, j'arrive. Ne finissez pas, ce sans moi. Ah, je me dépêche. J'ai pris un Urban Decay ici et ça c'est le swatch du KVD. Le Urban Decay c'est celui-ci. Quelqu'un se rappelle ça? Bon, il est temps que moi j'arrête aujourd'hui parce que c'est une catastrophe. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Je suis désolée pour tout ça. Voilà, pardon. Bye. Je veux bien partir, oui ou merde?